Si on faisait du bruit vers les cadavres. Voir s'ils deviennent fous ou pas. Y'a rien qui va par ici. Ok, les mecs ils sont à cran. Mec il a direct. Il a directement tiré. Restez sur le qui-vive et trouvez l'un. Ok, je cherche aussi. Enfin, les soldats ils sont pas à cran, les soldats ils sont. Ils deviennent pas fous, hein. Les autres si par contre, je crois. Par ici ! L'ennemi ! Pourquoi ? Putain ! Horrible l'action là. On y est. Encore 60 secondes et on entre. Quoi ces créatures? Fâche! Il y a forcément une sortie. Peut-être en remontant par où ils sont venus. Ah, elle s'enlève la boue quand il n'y a plus de combat. Eh ben! Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Bon, c'était pas stylé stylé. Parce qu'on s'est fait voir et tout. C'est pas grave. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. J'aurais bien voulu savoir comment faire en sorte qu'ils s'entretuent, en fait, au final. On n'a pas vraiment su. Bon, les mecs, ils venaient d'où? Je vois que dalle. Là, sans déconner, il me faudrait un feu de camp, par contre. Sans déconner. Je m'en fous, je sors le fusil d'assaut. Ils sont tous morts. Mon Dieu, tous ces cadavres. Les victimes des créatures. Mais pourquoi? J'ai pas assez de place pour ça. Jonah, Abby. Oui, Lara, je t'écoute. J'ai vu quelque chose. Les Trinitaires sont pourchassés par des sortes de... créatures bizarres. Quoi? Elles sifflent comme des serpents et vont très vite. Lara, on dirait la légende de Pishtako. Tu nous fais marcher? Non, je sais ce que j'ai vu. Tu vas bien? Oui, je rentre là. Lara, t'es folle! Ça, on savait. Rapport et résultat des fouilles. Division Amérique latine, à l'attention du docteur Dominguez. Mexique, Cozumel, temple de Chakchel découvert, site fouillé et fermé au public. Brésil, région d'Itichimitari, fouilles infructueuses, problème avec le gouvernement. Recommandons de fermer le site, attendons les ordres. Région de Trincheira Bacaja, avons fait des progrès avec les tribus locales, fouilles en cours.
Pérou. Kuakiaku, temple découvert. Fouille en cours. Fouille en cours. C'est là que je me prends des piranhas et je crève. J'ai pas assez de place pour ça. On est de retour? Yes. Yeah. Serre d'aigle. C'est ce qu'on a récupéré. Et là, c'est quoi? Des flèches grappins pour tuer et cacher les corps dans la canopée. Voilà. C'est pas mal. On peut le prendre, on a 3 points. Enfin, après, pour rendre les gens fous, enfin, je sais pas. À gauche. Jonah dans les ruines. On devait parler à machin d'abord. Marco. Comment on y va? On va aller parler à Marco. Vous avez de la marchandise à échanger? Merde. Tout droit. J'aimerais bien qu'on se débarrasse de ces voleurs. Marco est là-bas. Ils sont dangereux, Marco. Il peut se passer n'importe quoi. Je cherche Marco. Ah ouais? Pourquoi faire? Je voudrais juste lui parler. Il a pas envie d'avoir d'ennui. Je lui cherche pas d'ennui. Je cherche du travail. Du travail? Eh ben, ok alors. Donc, c'est vous, Marco? Dites-moi que c'est pas Omar qui vous envoie pour se foutre de moi. Si l'un de ces animaux s'en prend à mon fils, je vais... Marco, je suis pas avec Omar, je vous le jure. Qu'est-ce qui se passe avec votre fils? Ah... Je me suis fait mal au genou, alors Omar a pris Pablo pour me remplacer au site de fouille. Il m'a nommé DRH, et il veut que je trouve quelqu'un d'autre, sinon... Sinon, il gardera votre fils. Oui. Mais j'ai peur qu'il refuse de libérer Pablo, même si je lui amène quelqu'un. Eh ben, heureusement que vous avez une nouvelle recrue. Vous? Vraiment, vous feriez ça? On voudrait pas décevoir le patron, pas vrai? Merci. Et si vous voyez Pablo, dites-lui. Dites-lui que je suis là. C'est quoi, c'est des missions secondaires, ça? Allez, aux abords de la ville, les pillards. On va devoir tuer les pillards. Ah, par contre, faudrait retourner là aussi. Le monolithe, voir si on peut le... Si on peut le lire maintenant. De fortes chances qu'on peut... qu'on puisse... Comment on y va, là? Alors, on va d'abord faire dans l'ordre. D'abord au monolithe, sinon je vais oublier. Après, il y a la cage de survie aussi.
On va s'arrêter au magasin, voir combien on a. J'ai des bons produits, si ça vous intéresse. Comment ça va? Regardez ce que je propose. 2000. Viseur pour pistolet. Bof. Porte-chargeur. Augmente la capacité de transport des munitions pour pistolet. Pour fusil. Excellent choix. Ça, c'est pas mal, ça, qu'on puisse acheter des balles. C'était un plaisir de faire affaire. Fusil, ça veut dire... Fusil d'assaut, fusil à pompe. Je sais pas. J'ai du mal à comprendre. Ah merde. Sûrement une sorte de dialecte. C'est pas le même. Quechua. Quechua. On va sauvegarder. Ok, alors pas rentrer dans le temple car c'est la mission principale. On va retourner. On va voir la cache de survie là. Et aux abords de la ville. Je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Je sais pas où. Aux abords de la ville. Genre à l'extérieur, comme ça là. Là il y a du document. On va aller là d'abord. Au final, il n'y a plus le craft pour les équipements. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Il faut les acheter. Nouveau feu de camp. Il n'y a plus, ouais, il n'y a plus de craft pour augmenter l'équipement, genre le carquois, truc comme ça. Pas exactement. Il y en a moins pour le moment, on va dire. Genre les porte-chargeurs, tout ça, il faut les acheter, ce qui est un peu étrange. Non, enfin, c'est pas grave. Je sais pas comment débloquer les améliorations niveau 4. Si on peut, même. Ah, Quechua, c'est ça? Ouais. Derrière, c'est quoi? C'est la sortie. On va aller là. Fusil à pompe. D'accord. Je vois pas pourquoi on aurait besoin du fusil à pompe, c'est bizarre. La première fois que... Bon bah du coup on y va pas alors. Ouais. On y va pas. Plus tard. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Jouet promotionnel. C'est une maquette promotionnelle d'un derrick de pétrole. En plastique bas de gamme et en cuivre.
Le logo d'une société appelée Port Bénir figure sur le socle. Oh. Ça aussi, faut tirer dessus. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. J'ai pas assez de place pour ça. C'est vrai qu'avec le magasin maintenant, bah du coup... Oh, ça ? Ça doit être du Quechua. Y'a plus les petits frises d'hier. J'ai remarqué. Alors, les pillards. Oh, ils sont là-bas. Ils sont où exactement alors? Ils sont là. Là, on a quoi? Là, on a une fresque. Ok, on y va. On va faire les pillards. Faut aller à droite. Vous venez voir mes produits ? Non, pas maintenant. Elle est où la fresque? Je suis obligé de regarder la map constamment pour voir où je vais parce que sinon... Je ne vous ai jamais vu par ici. Je viens d'arriver. J'ai pas assez de place pour ça. Sinon je vois pas, vu que j'ai pas la vue. Je crois qu'il y a des problèmes avec Twitch en ce moment. Faire peut-être une petite pause. C'est un hommage à Supai, le dieu. Et là, on va taper des pillards, enfin, je crois. C'est quoi ça? Oh mon dieu. Pitié, aidez-moi. Ça va aller? Ils vont venir me chercher. C'est toi, Pablo? Oui. Tout va bien. Ton père m'envoie. Il est chez Abby. Va comme le retrouver. Si, comme si elle en avait quelque chose à foutre. Merci beaucoup. Ne reste pas là. J'aime pas trop ce bruit. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Il n'aime pas trop ce bruit. Désolé, je vois pas ce que je peux faire de plus. Je peux pas motiver les gens pour les exploiter. Oh, je crois qu'il y a un moyen de les motiver. Merde. Qu'est-ce qui lui arrive? Il nous trouvait 10 personnes par semaine avant. À mon avis, c'est à cause de son frère. Toujours à parler de syndicats, de justice. Ouah, ouah, ouah. Ça vaut le coup, moi. Au marché noir, ça peut, ouais. C'est vrai. On fait presque 100% de marge. Que ce soit le plus volontaire. Hop là. Telle une ombre. On va juste regarder le chemin qu'ils prennent.
connerie de générateur. Faut toujours que ça tombe en panne. On a décidé de tirer un peu plus cette fois. Ah, du coup, vous avez pas vu ma nouvelle habilité? Faut que je la montre. Je peux me prendre pour prédateur maintenant. Je peux pendre les gens. Bon, par contre, je les dépose pas, mais je peux les pendre. Oh la vache. Plein de monde. Il y a forcément quelque chose. Faudrait voir ça plus près. J'ai mis une... Un homme à terre. Ils vont payer. Une flèche gaz. J'ai mis une flèche gaz sur le cadavre. Si jamais il y va, le mec. Je dois découvrir ce qui se passe. On va jeter un œil. Elle est forcément dans le coin. Formation, losange large. Allez, au boulot. Losange large. Qu'est-ce que c'est que ça? Là-haut? Là, peut-être. Si vous voyez quelque chose, tirez. On cherche, entendu. Il faut chercher, je trouve rien. Ok, alors, je dois retourner au village. Bon ben voilà, on a fait les pires. Bon les gens, ne bougez pas trop, n'allez pas sur le cadavre. Prenez parce vos que affaires et rentrez au village. Ça risque merci d'exploser. Pour le coup de main. Pas de gaffe. Merci. Moi non parce c'est que vrai. Je suis l'héroïne. Mais faites gaffe. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Formation par l'épipède rectangle étroit. C'est vrai que c'est quoi ces noms bizarres? C'est débile. Est-ce que on a une un chemin? Ah. Tu as attaqué une secte de la géométrie pendant notre absence. Ah, possible. Les trinitaires. Ils sont tous un peu timbrés dans le jeu, surtout Lara.
Bon, du coup, on a tué tout le monde tranquille. Retournez voir Marco. Marco. On a tué tout le monde. Non, impossible. Je peux plus rien transporter. On était en train de faire une mission secondaire. Oui, courez vers chez Abby. Parfait, j'espère qu'il va bien. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Il est où Marco? Ah, il a pas bougé, il est là-bas. Arriba, arriba. C'est quoi ça? Poupée funéraire. Faites de tissu et rembourrée de roseaux et de graines, les poupées funéraires traditionnelles tenaient fréquemment quelque chose dans la main, comme un instrument de musique ou une pelote de laine. Cette poupée-ci tient un jeune enfant, ce qui pourrait signifier que la défunte était mère. Je sais pas ce qu'il y a dans ce troisième jeu, hein, mais... Qu'est-ce que tu veux que je regarde, Lara? Là, il y a des points... À l'intérieur, il y a de la mousse. Formation cachée. Voilà. C'est Lenzo. Ouais, ils ont changé la voix. C'est triste. C'est pour ça que c'est, franchement il faut la jouer en VO, parce qu'en VF elle est horrible quand même au final. Plein de problèmes avec la VF. Il est où Marco? Polo. Pablo m'a dit ce que vous aviez fait, Je sais pas quoi dire, si ce n'est merci. De rien. Vous savez, il y a bien longtemps, quand mon grand-père était adolescent, des hommes sont venus pour essayer d'abattre les arbres tout autour du village. Tout le monde a eu peur de s'opposer à eux, mais pas mon grand-père. Un garçon de 15 ans avec une arme vide, debout à l'entrée du village face à des machines et des hommes qui faisaient deux fois sa taille. Parfois, le courage d'une seule personne compte plus que la lâcheté d'un groupe. J'ai gardé l'arme qu'il avait sur lui ce jour-là. J'aimerais vous la donner, comme un symbole de courage et de reconnaissance. Vous ne voulez pas la donner à Pablo? Mon fils veut devenir docteur, comme sa mère. Au fait, quel est votre nom? Lara. J'ai une nouvelle histoire à raconter maintenant. Merci, Lara. Lara, la tueuse. Le Riverhawk! Je peux pas changer d'arme. Quelque chose traque les Trinitaires. C'est quoi ces créatures? Elles font partie de la purification annoncée par Dominguez? Je dois découvrir ce que c'est. On va garder ça, c'est mieux. Tous les mêmes en plus. Enfin, c'est plus ou moins tous les mêmes. Là, on est au max. On est au max. Ok, on a un point. Je crois. Non, deux.
On peut faire quelque chose. Augmente les chances de récupérer des flèches en fouillant les ennemis et les animaux tués avec l'arc. Yes. Tout était dans sa tête. Moi, je le vois bien comme ça, que c'était une folle. Par où on passe? Pound, pound. Non, on vient de là. Dans le tunnel? Non. Tout est plein. Je peux plus rien prendre. Ah, non, grotte. Ça y est. Alors.